en direct sur iTélé. Des manifestations déclarées ou non contre la loi de réforme du Code du travail, manifestations sur la voie publique, et puis des rassemblements autour et à l'issue du rassemblement sur la place de la République Nuit Debout de manifestants sur les voies publiques aux abords de la République notamment. Et malheureusement, nous devons constater que les dégradations à ces occasions ont été importantes, répétées, et notamment depuis une semaine où je constate tout de même une répétition d'incidents qui ne peuvent être acceptés, et le ministre l'a dit lui-même avec beaucoup de force hier, des incidents qui doivent faire l'objet d'une répression sévère. Ces exactions, ces débordements sont le fait de petits groupes violents qui infiltrent ces manifestations et ces rassemblements et qui sont déterminés à combattre finalement leur déroulement normal et à s'en prendre aux forces de l'ordre et aux atteintes aux biens, voire aux personnes. Le scénario est toujours le même finalement, celui d'un rassemblement Nuit Debout sur la place de la République, qui est un rassemblement permettant à chacun d'exprimer sa façon de vivre la citoyenneté et de se rassembler. C'est le cas en début de soirée. Puis le temps passant, les personnes présentes se retirent et on assiste à ce moment-là à une présence de plus en plus agressive, de petits groupes violents qui cherchent à ce moment-là soit à partir en cortège, soit à attaquer les forces de l'ordre et à dégrader les vitrines ou les commerces ou les établissements bancaires notamment du voisinage. Je suis donc conduit à constater que le rassemblement Nuit Debout permet finalement, parce qu'il n'est pas suffisamment organisé et contrôlé, ce type de débordement en fin de nuit. Et donc je souhaite à nouveau faire passer aux responsables de ces rassemblements qui font la déclaration en préfecture permettant le déroulement normal de ces rassemblements, je souhaite les rappeler à leurs responsabilités. Je souhaite également leur demander de veiller à ce que l'horaire sur lequel ils se sont engagés, qui est celui pour cette nuit d'une heure du matin, soit appliqué, qu'ils le fassent respecter par les participants à la manifestation et qu'ils demandent aux participants de se disperser une fois que le rassemblement s'est déroulé normalement jusqu'à une heure du matin.